bonjour à tous. On se retrouve pour l'épisode 10 de ma saison 2. Nous sommes le 31 octobre, donc c'est le jour d'Halloween. Il est 16h20 parce qu'il fait nuit à 18h. Donc aujourd'hui je suis accompagné de 3 abonnés, c'était prévu depuis un petit moment, un petit road trip entre abonnés. Donc là on va faire un lieu unique, c'est les ruines d'un château qui a été démoli vers le 15e siècle sur l'ordre de la marquise du coin. D'après vous on a combien de temps là d'enregistrement? T'as regardé ta montre avant qu'on commence, non? C'est ce que j'allais dire. 25-01. Et vous verrez que ça passe à une vitesse incroyable. Par contre, j'ai pas senti grand chose encore. Je sais pas vous, mais. À l'entrée dès qu'on est arrivé? Ah oui, oui. Les 3 petites marches, moi j'ai senti comme un portail. Un portail. Ah oui. D'accord. Et quand je l'ai dit à Sam, il m'a dit que c'était vraiment. Ah ouais? Bah tu vois, moi j'ai rien senti. Hein. Bizarre. J'oublie d'enregistrer aussi. Ça va être pratique. Qui c'est qui veut commencer? Le repas. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Donc tu nous racontes un petit peu ce que tu veux et puis ce qui s'est passé dans la voiture aussi. Je m'appelle Véronique, je viens du sud de la France, donc j'ai fait un très long trajet pour venir. Bienvenue Véronique. Bienvenue. Ça me rappelle, tu sais, les réunions. Et je vais faire le même long trajet pour rentrer, mais je voulais pas du tout laisser passer cette occasion de faire une enquête avec Urban, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, je suis intéressée par le paranormal depuis toujours. J'ai eu quelques expériences personnelles, mais rien de très très flagrant, donc je compte sur ce soir pour... C'était du genre quoi tes expériences, si c'est pas indiscret? Allez Lionel, vas-y, c'est à toi. Bah moi c'est Lionel, je viens de Bretagne. Pourquoi le paranormal? Parce que j'ai aménagé dans un petit corps de ferme. Et j'ai une dépendance un peu comme toi, où il se passe des petites... où j'ai des ressentis un peu bizarres, des présences. Quand je travaille, j'ai toujours l'impression qu'on me regarde d'en haut. Ah, parce que tu travailles déjà dans cette dépendance-là? Ouais. Tu fais des travaux? Ouais, enfin du bricolage quoi. Quand je suis en train de bricoler, souvent des petites chutes d'outils inexpliquées. Et ouais, toujours cette sensation d'être observé. D'accord. Donc c'est ça qui m'a dirigé sur le paranormal. Est-ce qu'il y a des... Dans cette dépendance, elle est grande, elle est petite, il y a une cheminée, il y a... Elle est toute petite, elle est collée à un gîte. Et dans cette maison-là, on a eu plusieurs décès là, de la même famille. Et c'était des décès brutaux, de maladies? 2 accidents et un arrêt. D'accord. Et c'était pas de ta famille? Non, la famille de ma femme. D'accord. Ça doit être dur du coup pour ta femme. Un peu, ouais. Et elle vit des choses, elle, paranormal? Bon bah Sam, tu veux nous raconter quoi de beau? Bah moi, rien du tout. J'ai aucune... T'as les seules expériences, c'était avec moi? La seule, ouais. Enfin, on a eu plusieurs. Oui. Mais une vraiment, c'était voilà. Cécilia. Voilà, Cécilia, et c'est la seule qui a été mise en ligne. Ouais. Ouais, mais celle-là, elle était, il y a une partie que le public n'a pas vue, tu sais, quand on était à la bagnole, caméra coupée, il fallait encore dire aux gens de l'invisible de se barrer. Oui. Parce que moi, j'ai entendu un truc sur le moment, mais ils étaient après Sam, oui. Ce jour-là. Ils étaient vraiment après lui, quoi. Ouais, fallait que je dégage. Et je sais pas pourquoi, hein, parce que ce jour-là, on est arrivé comme d'habitude. Enfin, à part la nuit, bonjour, machin, bah, comme d'habitude. On sentait que ce soir-là, c'était... C'était glauque quoi. On n'avait pas l'impression d'être dans le même lieu que d'habitude. Ouais, c'était bizarre quoi. Et là j'ai des petits frissons depuis tout à l'heure, pas mal moi. Alors je sais pas si c'est parce qu'on s'est arrêté avec la transpiration de ma ceinture. Mais là vous avez ressenti des trucs vous? Non. Parce que moi ça commence. Hein. C'est des petits frissons mais il fait un peu plus frais. C'est peut-être ça. Il a pas buzzé du tout. Hein. Voilà, ça on va le mettre par là. Parce que là, à cette heure-là, il faudrait être culotté de venir maintenant. Je vais laisser ces 2 appareils ici. S'il y a du monde de l'invisible qui veut communiquer avec nous, vous pouvez nous laisser des oies. On va le mettre là. Voilà. Ça c'est juste pour compenser le micro. Ça c'est juste pour compenser le micro. Et puis du coup on va aller à l'entrée. Comme vous avez bien senti. Là ça peut filmer 25 minutes à peu près de bonne qualité. Dès que ça va commencer à tomber, c'est mort. Donc okay. Après c'est avec une torche. Mais comme je vous disais, hors caméra, ici c'est venir la nuit quoi. Il n'y a que ça, pour être tranquille, on a vraiment trop été parasités quoi. T'entends? C'est quoi? C'est moi, c'est moi. Ouais. C'est toi? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est foncé parce que moi j'entendais de là-haut là. Ouais, moi aussi. Mmh. Faudrait pas qu'on perde Sam. Sam? Séance photo. C'est un hypersensible. Ah, il est hypersensible. Donc je lui fais confiance. S'il prend une photo, c'est qu'il sent qu'il faut prendre la photo. Il est déjà venu avec moi, donc il n'y a pas besoin de le coacher. Il a pris un autre chemin ou quoi? Ah non, il est là. Je m'inquiétais. Hein.